Oui, bonjour, c'est le caporal-chef Barbier de la 3e compagnie. Oui, je serai à la caserne d'ici une vingtaine de minutes. Donc vous dites aux pilotes d'hélico qui m'attendent. Ok, merci. On le dégage, vite! Sors de là, bouge ton cul! Allez, bouge-toi, vas-y! Cours! Sam, tu m'expliques ce qui se passe là? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on essaie de nous tuer là? Merde, tu te fous de ma gueule là? Je sais pas, j'ai aucun souvenir de comment je suis arrivé là. Attends, tu te souviens de notre mission au moins? Mais quelle mission? Bordel, t'as dû me prendre un sacré coup sur la tête là! Bon, écoute, c'est la merde. L'officier a dit que le camp était sécure, on avait tout vérifié, mais on s'est fait prendre en embuscade. Résultat, on est encerclé de partout. Et l'officier? Plus que toi et moi. Aidez-moi à le déplacer. T'as entendu là? Entendu quoi? Non, laisse, je dois être juste un peu fatigué. Bon, on attend quoi là? J'en sais rien. Faudrait qu'on arrive à monter vers le nord. Là-bas, on devrait avoir un support. Mais c'est loin d'ici? 1h30 de marche. T'es prêt? Là, ils sont là! Merde, Barbier! Tire! Papa? Putain, mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais là, il y avait mon fils! C'est pas le moment, bordel! Mais il était là! Mais arrête tes conneries! Si tu te bats pas, on va crever! Ah! Mais tu fous quoi? J'ai mal partout, là. J'arrive plus à respirer. Cinq, quatre, Sam, trois, deux, un. Alors, monsieur, vous avez eu un accident, vous êtes tombé de vélo, je suis là, je suis avec vous. Vous m'entendez? Vous avez été percuté par une voiture. Soyez tranquille, une ambulance arrive. Fighting to protect, always shatter into pieces.